Et salut tout le monde, c'est Marley Blade. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau let's play qui n'est autre que Astérix et Obélix XXL 1. On se retrouve aujourd'hui donc sur un jeu GameCube que j'aime tout particulièrement, vraiment, que j'ai adoré. Ça va être une totale redécouverte avec vous. Je suis désolé, mais j'ai pas mal de bugs de son en ce moment, donc s'il y en a, je m'en excuse vraiment, parce que voilà, c'est pendant que je fais le montage de la vidéo, bah, je remarque pas mal de bugs au bout d'un moment, et je crois que je sais pourquoi, en espérant que ça va pas arriver là. Donc voilà. Bon, on va pas déblatérer sur le sujet trop longtemps, on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Et vraiment, c'est un jeu que j'ai adoré personnellement, auquel j'ai beaucoup joué. Cinématique, je me tais. Voilà, alors on se retrouve. Donc, ah, punaise. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Oula, ça va faire bizarre. C'est A pour taper et B pour sauter. Ouh là là, ça, je sens que ça va être très compliqué à prendre en main. Ça par contre, vous voyez, j'ai pas l'habitude. Ah, tiens. Ah, non, là, par contre, j'aurais besoin d'Obélix. Ok. Vous voyez, qu'est-ce comme ça. Ça, ok. Alors, ouais, donc ça. Oula, ah oui, d'accord, c'est vrai que je peux foncer. Ça, c'est pour prendre un ennemi. Ok. C'est pour taper, ok. Ok, donc niveau 0 casse, j'ai 3 barres de vie. Ok, alors, donc vous voyez, donc là on a les casques, on a des lauriers à récupérer. Les casques, ce sera la monnaie du jeu. Et les lauriers, ce sera juste des objets, c'est juste des collectables en fait, pour nous donner des trucs dans la galerie, si je m'en rappelle bien. Ça, je crois pas. Ah non, c'est peut-être un truc qu'il faudra acheter en fait, cette technique. Ouais, bon, on verra après. Là, on va aller voir le petit bonhomme là. Salut à toi. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je peux t'apporter une aide précieuse. J'étais espion au service de César, mais il a décidé de se passer de mes services. Il m'a renvoyé. Moi, le meilleur agent secret de Rome. Renvoyé. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. Un terrible combat a eu lieu ici. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques et retrouve-moi à l'intérieur du village, près du gros bloc de granit. Alors je t'aiderai. Tes amis ont besoin de toi. Fais vite. Ok, donc, il nous faut 30 casques pour ce mec. Alors, je sais plus son. Peut-être qu'il va nous le dire. Mais au cas où qu'il ne nous le dise pas, je crois que c'est Sam Fisher ou un truc dans le genre. Je sais plus. En tout cas, dans Astérix et Obélix XXL 2, c'est Sam Fisher. Mais lui, je crois que c'est un autre. Je suis plus très sûr. Donc, il nous faut 30 casques. Donc, pour trouver ces casques, il va nous falloir taper dur en main. Hop, hop. Alors ça, si je ne me rappelle plus, c'est quoi ce code-là? Hop, taper dur en main, casser des caisses pour trouver des casques. Ah oui, mince. Ouh là là, ça va être compliqué. Hop, allez, je te tape toi. Faut que je te tape. Je vous tape tous. Je vous défonce. Ah oui, d'accord, je crois que ça nous augmente notre puissance en fait.
Ça augmente notre vitesse, notre puissance. Hop. Ah punaise, ça va vraiment être compliqué d'utiliser B pour sauter. Hop. Alors bon, moi de toute façon, tout ce qu'il me faut c'est des casques. Et ben voilà, on a les 30 casques. Maintenant, tous les casques qu'on récupère en plus, ce sera dans notre réserve personnelle. Donc là, vous voyez que avant il faisait un signe non, là maintenant il fait un signe oui, ça veut dire qu'on les a tous, qu'on a suffisamment de casques. Donc moi je récupère le plus de casques possible pour juste justement parce que je me rappelle de la fin du jeu personnellement et je me souviens qu'il nous faut énormément de casques pour débloquer une fameuse technique parce que dans ce jeu, grâce aux casques, on peut acheter des techniques, des nouvelles attaques qui sont surpuissantes, attention. Donc dont une dont je ne vais pas vous spoiler le nom parce que vous allez tout de suite comprendre ce que ça fait. Mais qui a deux versions, enfin qui a une grande version, une petite version et une évolution, on peut dire ça comme ça. Dont l'évolution est beaucoup plus puissante que la première, mais déjà la première est déjà surpuissante, la deuxième encore beaucoup plus puissante. Je ne suis plus tout à fait sûr hein, de si la fameuse évolution y est dans ce jeu, mais normalement je crois qu'elle y est. Mais de toute façon c'est un jeu quand même assez long. Alors, on va lui parler. Bravo, le compte y est. Je t'ouvre le passage. Utilise cette petite plateforme pour franchir la palissade. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. Il te permettra d'atteindre la plateforme. Il n'y a pas une minute à perdre. César et ses hommes ont enchaîné tous tes amis. Ils sont partis au pas de course. Et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour embarquer près d'ici. Au fait, pour pousser le gros bloc de granit près de la palissade, approche-toi de lui, maintiens action enfoncée et déplace-toi en avant. Si tu m'aperçois à nouveau, surtout viens me voir. D'accord. J'aurai toujours de précieux renseignements. Ah, c'est cool. Donc lui, il va nous aider en fait. Donc moi, je veux pousser. Alors oui, il pousse pas très fort, hein, c'est normal. Vous inquiétez pas. Et on peut pas augmenter. Même Obélix, il poussera pas très très fort, hein, je pense. Lui, il se casse le. Lui, il s'embête pas. Il le fait à une main, mais ce sera jamais très fort. Oh, 1x3, yes. Alors là, par contre, faut trouver des casques vite, plus vite possible. Parce que le x3 vaut nous deux, nous dit un casque vaut 3. Et enfin, la valeur du casque est triplée. Donc, oh punaise, dommage. Bon, on a pas mal de Romains, donc on peut gagner. Aïe, punaise. Oula, mais c'est qu'ils font mal ces enfoirés. Aïe, mais. Oulala. C'est qu'ils me font mal. Punaise, ils m'ont enlevé. Non, totalement. D'accord. Ouais. On va faire comme ça. On va faire la fameuse technique, si je me rappelle. Je crois que c'était une technique que j'avais fait. Fut un temps, hop, combo. Alors voilà, ah oui, combo, oui, d'accord. En fait, voilà, je crois que c'est ça. En fait, on va acheter donc justement des combos, on va dire, dans le magasin quand il y sera. Alors, hop, on peut faire un double saut, ça c'est cool. Par contre, donc là il n'y avait rien, donc je récupère, hop là, donc là je récupère. Je vois qu'il y a un sanglier, donc je vais pouvoir récupérer de la vie. Ça, c'est quelque chose de bien. C'est un bon truc. Hop, donne-moi un peu de vie, toi. Ah, mais par contre, il m'en faut beaucoup, de la vie. Allez, donne-moi de la vie. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai toute ma vie. J'ai juste ce que je voulais. Donc là, je pense qu'on ne va pas passer. Voilà, oui, il y a les chevaux, donc on ne peut pas passer. Il n'y a rien d'autre ici. Non, il n'y a rien d'autre. De rien y avoir d'autre. Donc, on va tirer. Ça, on le tire. Hop. Ah, bah, il continue tout seul. Là, moi, c'est pas moi qui tire. Là, il le continue tout seul, en fait. Ok. Alors, donc, on va aller dans cette grotte. On va continuer. Hein. Ah, bah, tiens, voilà Sam Fisher. Je vais l'appeler Sam Fisher, ce sera plus simple. Chose de très important à vous montrer. Ah ben, laurier. Les généraux romains cachent des lauriers en or massif dans toute
sur ordre direct de César. C'est lui en personne qui leur indique où cacher ses lauriers. Je suppose qu'ainsi, l'empereur a l'impression d'être présent partout dans son royaume. Mmh. Il y a un grand nombre de lauriers. 51 lauriers en or, mais c'est réparti dans tout l'Empire. Punaise. Plusieurs d'entre eux sont présents en Gaule. En Gaule, tous cachés dans les environs. D'accord. Cherche et trouve tous les lauriers cachés dans chaque pays. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Oui, bon, grandement. Surtout, prends le temps de bien chercher partout. Oui. Et fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. Si, moi je le regrette parce que c'est juste pour des images. Donc peut-être, si vous voulez que je cherche de moi-même les lauriers, ben je le ferai en off. Je ne le ferai pas, je pense pas en vidéo. Je le ferai en off et je vous dirai, voilà. Ils étaient ici, là et là. Bon, pour le moment, normalement, la Gaule, ça devrait pas être trop compliqué de les trouver. Hein. Donc là, on est juste à Astérix. Hein, après, on pourra être Obélix aussi, hein, je crois. Ah non, c'est vrai que ça change. En fait, on change automatiquement. Oui, je crois qu'on change automatiquement, en fait, de personnage. Je crois. Je suis plus très sûr, mais je crois qu'on peut changer automatiquement. On peut pas changer automatiquement. Elle est très importante. Bien utilisée, elle va te permettre de faire exploser des barils de poudre. Ah, cool. Astérix, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. D'accord. Attention, elle a tendance à vite s'éteindre. Ah, ça, c'est moins bon. Sois malin. Allume des feux intermédiaires sur ton parcours pour pouvoir la rallumer facilement à chaque fois qu'elle s'éteindra. Ah, merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Donc là, faut le prendre avec A. Ouais, faut prendre avec A. Alors, donc ça, c'est justement un des feux intermédiaires. Moi, ce que je veux pour le moment. Hop. Hop. Ça. Ah, la musique. Juste kiffante. Donc là, on est dans la mine de menhir d'Obélix. Hein. Enfin, la carrière de menhir plutôt. Ah oui, il est là, le fameux baril de poudre. On y va. Hop. Par contre, là, faut vite se barrer. Voilà. Et quand vous voyez qu'il la jette comme ça veut dire qu'on en a plus besoin. Je crois qu'Obélix c'est plus très loin en plus. Ah bah tiens. Quand on parle du loup. Hein. Bon, bah, on va aller voir Obélix. Hein. Tu n'as pas trouvé des tricks non plus. Mais où peut-il bien se cacher? Obélix, quelque chose de terrible est arrivé au village. Tous nos amis ont disparu. Nos maisons brûlent. Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Des Robins, par ici, suis-moi. Ok. Donc, je crois pas qu'on puisse pas changer de personnage pour le moment. On pourra changer plus tard. Hop. Alors, heureusement, hein, Obélix, il est là, mais il va nous aider un peu. Enfin, un peu. Il va nous aider, quoi. Comme un IA quoi, on va dire, donc ce sera plus moi qui vais faire le boulot qu'Obélix. Hein. Vous voyez que là, comme vous voyez, il est en train de courir en fait, il est en train de courir autour de nous. Hop, hop là, oula, on va se calmer, hein. Je veux bien que vous me tapiez, mais pas à ce point là, hein. Allez, hop, allez, je vous tabasse. Ah voilà, oui, Obélix, je suis là, envoie, oh, yes. Je suis complet. Hop. Et alors ça par contre c'est dommage parce que ça sera plus tard qu'on pourra débloquer les attaques pour se combiner avec ça en fait. Hop. Donc là vous voyez hein, les Romains ils arrivent en masse. Mais bon là il n'y a personne. Hein. Pour vous dire là il n'y a personne. Je vous le dis. Hein. Hop. Alors je crois qu'ils sont infinis en fait si je ne m'abuse. Mais ça ne me dérange pas, ça me permet de gagner des casques rapidement. Hop, et encore là, ils sont faibles. Hein. Hop. Allez. Oulala, il a failli me taper, lui. Oh, je suis en l'air, je tape. Qu'est-ce qu'il y a, toi? M'énerve pas. Hop, par contre, ça c'est cool. Ah bah non, j'avais pas besoin. Alors, je crois qu'il y a un laurier. Il y a un laurier pas loin. Donc voilà, donc en fait, les lauriers, je vais les chercher sans les chercher, en fait. Mais je crois, si je me rappelle qu'il y en a un dans les parages,
Je le récupère si je ne me rappelle pas qu'il y en ait un. Là, je crois qu'il y en a un, pas loin. Oui, je me rappelle bien. Mes souvenirs étaient donc fondés. Donc vrai, c'est cool. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, par contre, les casques, ça, c'est c'est l'une des choses que je recherche le plus. Hein. Hop. Alors, avant d'aller parler à Sam Fisher, on va récupérer les casques qu'il y a là. Tous les casques que je peux. Oh, il y a même un x3. Toujours utile. Alors, regardez. Hop. Hop, je récupère. Là aussi, il y en a. Il me permet d'en récupérer. Ah, dommage, j'avais oublié celle-là. Tant pis, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Hop. Hop là. Sam Fisher, qu'est-ce que tu me dis? Ah, on peut te parler. Faut qu'on te passe, c'est pas automatique. Je vois que tu as retrouvé ton fidèle compagnon. C'est bien. Vous aurez besoin d'être deux pour libérer ton oui. Plusieurs d'entre eux ont été embarqués de force sur deux navires différents. On les distingue au loin. Mm-hmm. C'est ce que je vois. J'ai cru comprendre que l'un d'eux se rendait dans les pays du Nord, mais je ne sais rien de la destination du second. J'ai aussi vu des troupes escorter une cage avec un vieux druide prisonnier à l'intérieur. Panoramix. Plage et cherche bien. Panoramix. Tu devrais facilement pouvoir les rattraper. Ouais, bah c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, on y va, Obélix. Il faut qu'on aille libérer Panoramix. Au Panoramix, notre druide. Hop. Alors on y va. Donc comme vous le savez, comme je vous ai dit, hein, on peut pas changer à tout va. Hein. Ah ça je crois que c'est pour sauvegarder. Wouhou. Ouais c'est pour sauvegarder. Ok donc moi je vais pas sauvegarder. Oui je vais la sauvegarder. Donc je vais pas sauvegarder tout de suite parce que alors je sauvegarderai souvent. Hein, mais là pour le moment pour juste pour la goal c'est assez simple. C'est juste du didacticiel on va dire. J'ai retrouvé Idéfix. C'est un précieux allié pendant les combats. Oui. Appuie sur la touche réservée à Idéfix pour l'envoyer mordre les fesses des Romains. Ouais. Ils en perdront leurs armes. Ah, ça c'est cool. C'est vrai qu'Idéfix il est assez utile. Au bout de ce sentier, il y a une clairière. Plusieurs gourdes remplies de potions magiques y sont cachées. Ah, cool. Dont une près de la grande. Ramasse-les pour devenir un surhomme pendant quelques oui, mais ça c'est comme toi, Astérix. Hein. Ne peut pas boire de cette potion, mais je crois que tu le sais déjà. Ah bon? Je savais pas. Mince, Obélix, tu peux pas boire. Oh, dommage. Bon, bah, Obélix, hein, désolé, mais on n'est pas dans Astérix chez Cléopâtre. Hein. Dommage. Donc, non, on n'a pas besoin du sanglier, mon petit Obélix. Ah, là, par contre, on va avoir besoin. Je joue bien, voilà. Ouh, x10. Là par contre, il faut absolument que je les aide. Parce que x10, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et en plus il y en a eu pas mal. Donc c'est cool. Je peux en avoir au moins 100, voire 200 même. Je vais te révéler un grand... Oui, vas-y, je t'écoute. J'adore les secrets. Cet engin est un canon à répétition Maximus. Pour t'en servir, il suffit de t'en approcher et d'appuyer sur Action. Si Obélix est à tes côtés, il pourra déplacer latéralement le canon pendant que tu l'utilises. Appuie sur Saut pour descendre de cet engin. D'accord. Ah ! Ce canon à répétition est bloqué par un verrou de combat. Élimine tous les ennemis présents dans les environs et le verrou disparaît. C'est tout? C'est rien 70. Quand je sais, je dis c'est rien parce que je connais la fin du jeu. Enfin, du jeu, ça 70, vous dire ah oui, d'accord, 70 c'était tout gentil. Ça paraît beaucoup 70, hein, mais ça finit très vite. Hein. Donc, vous voyez, il est fixe. Ah oui, il est fixe, il a mordu celui que j'ai tapé. Hop, alors il est fixe, c'est très 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 utile hein, pour. Vraiment pour les combats. Oui, Obélix, je suis là. On voit. Ah non. Pas prévu pour ça.
Hop. Hop. Aïe. Arrêtez de me faire mal. C'est pas bien ça. C'est pas sympa. Hein. Vous voyez que j'en suis déjà à 40. Il m'en manque déjà 48. Hein. J'en ai presque déjà passé 30. Donc ça va très très vite 70. Hein. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Bon. Allez, alors là, je tabasse. Tac, tac. Tac, tac. Tac. D'abord, alors regardez, hop, j'ai la potion. Je les tabasse. Hop là. Tac, 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 tac. Tac, tac. Alors comme vous voyez, hein, la potion magique dure pas si longtemps que ça, mais c'est toujours utile. Surtout pour quand il y a justement la formation de la tortue là, très utile. Là par contre il en reste plus beaucoup. Donc je sais pas, je vais aller chercher une potion magique pour les 20 derniers. Regardez, il y en a une là-bas. On y va. Hop, hop. Hop, hop, hop. Grâce à la potion, un coup suffit. Hop, et la vitesse. Et notre vitesse largement accélérée. Par contre, le nombre de. Il n'y a pas de multiplication de casque. Hein. Malheureusement. Bon, ça va, il reste plus de 4. Enfin, 3 maintenant. Ah, ils sont tous là. Hop. Hop. Et c'est fini. Voilà. La base. Après, vous verrez. Des fois, il y en aura 100, voire même 200. Hein. Donc, vous direz, ah oui, d'accord, c'est vrai que c'était rien du tout. Hop, j'ai pu récupérer un peu de vie, ça c'est cool. Non, monte, je te dis. Là, y'a rien. Hop. Non, ça j'en ai pas besoin. Alors, je sais qu'il y avait un x10, mais je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait pour l'avoir. Attendez. Non, attendez. Hop, ça. C'est ce que je voulais. Non, je sais plus comment on l'a. Bon, c'est pas grave. On va d'abord taper toutes les caisses pour récupérer tous les casques, même si tant pis pour le x10, hein, c'est pas très grave, hein, parce que les casques on en aura en abondance, hein, vous inquiétez pas. Hop, on est déjà à plus de 800. Oulala, je suis à x9. Oh punaise, dommage que ce soit tout là-bas. On perd énormément de temps. Oh punaise, il n'y en a pas là. Allez, donne-moi des casques. Non, je veux pas ça. Des casques, punaise, je suis x9. Bon, j'avais pu en avoir quelques-uns, mais bon. Voilà quoi, j'ai pas choisi les bonnes caisses, c'est pas très grave. Hop, je me revois la x9. Hey, il y a plus beaucoup de casques. Et là, regardez, hop, même plus du tout. Tant pis, c'est pas grave. Alors, Obélix, s'il te plaît. Voilà, bon. Voilà, donc c'était justement pour casser ça. Hop, hop là. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais vraiment retourner au village. Mais pour le moment, je ne peux pas. Enfin, je peux, mais il faut que je retourne au village avec Obélix. Là, on ne pouvait y passer que par Astérix. Bravo. Je vois que tu as trouvé le bon chemin. Ne t'inquiète pas pour Obélix. Il attend sagement de l'autre côté que tu trouves le moyen de lui ouvrir un passage plus grand. Je crois que c'est par ici. Je crois aussi. Hop. What? x30? Putain, faut que je trouve des casques. Faut que je trouve des casques. Faut que je trouve des casques. Non mais. Saute. Des casques, des casques. Non! Eh merde, x30 pour rien! Non mais moi, ce que je voudrais, c'est avoir cela. Non mais punaise! Désolé pour vos oreilles. Hein. Hop. Oh! Allez. Voilà. Oh punaise, ça aurait été 10 x 30. J'aurais eu 300 casques. Oh la poisse. Et oui, parce que les casques jaunes dorés comme ça. Non, saute, voilà. Jaune doré comme celui-là, ça vaut comment ça s'appelle, ça vaut 10 ou 5, je sais plus. Ça vaut 5 ou 10 casques. Casques normaux. Devra avoir fait le plat de potions pour pouvoir les réduire en miettes.
Donc maintenant on peut avoir Obélix. Donc on va aller prendre Obélix. Voilà. Et maintenant. Après il y a bien le laurier ici, il a même pas récupéré ce con. Ah mince! Voyons voir. Comment ça se fait? Comment se fait-ce? Pourquoi je peux pas? Ah, c'est bizarre ça. Bon bah tant pis, hein. Ça voudra dire que je pense que ça voudra dire qu'il faut que je revienne. What? Fois 10? Fois 20 même. Oh, je me fais plaisir là par contre. Là je me donne, là je me fais un petit plaisir. Oh oui. Oh je kiffe. Vous voyez hein. Là c'est énorme. Ce qu'on vient d'avoir. Allez. Hop. 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 Allez. Allez mon petit. Obélix. Merci. Donc là on est à 3 lauriers sur 5. Hein. Ah oui. Alors ça sera ça. On va l'ouvrir après. D'abord on récupère tous les caisses qui sont là. Hop. Hop, on récupère ça. Hop. Quelques jolis casques dorés. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on va ouvrir et regarder ce que c'est. Bonjour. Voyons voir ce que j'ai en stock. Bouclier. Combo marteau pilon. Combo orage. Voilà. Donc, voilà, c'est là qu'on peut acheter les fameux combos. Donc soit un bouclier, bon ça j'en ai pas besoin. Et là il me faut 3000, regardez, 17500 casques. C'est énorme. Je crois que pour les fameuses techniques que je vous ai dit, il va m'en falloir au moins 100 000 je crois, à peu près. Ce qui est énorme. Voire même 200 000, je sais pas, je sais plus exactement. Donc on va acheter le marteau pilon parce que le marteau pilon est très utile. Voilà. Reviens me voir quand tu veux. À une prochaine fois. Hop. Donc voilà, donc c'est dans un magasin qu'on peut acheter nos casques, nos combos et trucs comme ça. Ce qui est très utile, hein. Extrêmement utile. Regardez. Donc c'est des combos, hein, donc faut vraiment, on peut activer que pendant des combos. Alors attendez, évolution. Ah, combo, ah voilà. Donc tac, tac, tac. C'est tac, tac, tac. Ok. Ok, ok. Ok, donc on va voir. Hop. Allez, viens là toi. Regardez, y a pas Panoramix là-bas. Oh putain, lui il s'échappe trop. M'énerve pas. Tant pis, je pourrais pas utiliser le marteau pilon, c'est pas très grave. Je vais d'abord récupérer le plus de casques possible. Donc vous voyez, hein, j'ai pas réussi à avoir tous les lauriers, mais ça c'est. Je le ferai en off si vous me dites que vous voulez savoir où ils sont. Moi je joue juste pour jouer, je ne dis pas que je veux faire le jeu à 100%, quoique je le ferai peut-être même en off quoi qu'il arrive. Allez, on continue. Hop. Tac, 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 on récupère. Hop, 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 hop. Ouais, ça c'est bon ça. Ah, il y a peut-être quelque chose là-bas, on va aller voir. Faut toujours chercher en fait. Dans ce jeu, faut chercher. Si on ne cherche pas, on peut pas réussir à le finir. Quoi là-bas ? Ah bah tiens, il y a un laurier. Il m'en manquera un. Il m'en manquera qu'un seul. Et je crois que je sais où il est, mais il est donc en fait au tout début du village. Et pour cela, faudrait que je réussisse à trouver le moyen de. Mais il y a encore des caisses là-bas ? Oh, c'est intéressant ça. Comment ça se fait que je les ai pas vus? Je suis aveugle! À moins qu'elles soient toutes revenues en fait. C'est bizarre. Hein. À moins que ce soit tout revenu en fait. Le jeu m'a fait charger une nouvelle zone en fait peut-être. Non, non en fait non. Alors toi, m'énerve pas. Voilà. Donc eux, les gros comme ça, ils nous donneront un gros casque bien entendu. Et ils sont plus compliqués à tuer parce qu'ils ont leur bouclier, mais il faut juste user pas mal. Beaucoup l'user le bouclier justement pour pouvoir avoir quelque chose de c'est bon. Je vérifie, non c'est bon, il me manque pas de caisse, rien. Donc on va aller finir la goal et hop. Panoramix, je suis content de te voir à part tout à qui. Moi aussi. Mais où sont passés tous les gens de notre village? Où
joué à bras raccourcis, notre chef. Que s'est-il passé? Toutes nos maisons sont en feu. Du calme, du calme. Laissez-moi sortir de cette cage et je vais tout vous raconter. Tout était calme, mais j'étais en train de faire mijoter un chaudron entier de potions magiques quand les Romains sont arrivés par surprise. Ils m'ont dérobé tout le chaudron de potions avant même que j'ai pu dire ouf. Après un rude combat, ils nous ont séparés dans des cages différentes. Et César était là en personne. Séparés aux quatre coins de l'Empire romain. J'entends encore dire « Toi et toi en Grèce, pour vous deux la Normandie, et pour vous l'Hispanie, ou plutôt le Lycie. » Il a fini par détruire sa grande carte. Nous en avons tous récupéré une partie. Voici le morceau que j'ai ramassé. Cet Automatix et Ordre Alphabetix ont certainement été envoyés là-bas. Astérix. Obélix, libérez vos deux amis. Ils vous donneront à leur tour le fragment de carte qu'ils ont réussi à dérober. Ce fragment indiquera un nouveau lieu. Il vous permettra de libérer d'autres villageois. Mais pourquoi il a caché sa carte, César? Je crois qu'il tenait à garder secret les lieux où il a décidé d'exiler chacun d'entre nous. Allez, mes amis, le temps presse. Partez au nord. Quant à moi, je retourne au village, tenter d'y remettre un peu d'ordre. Voilà, donc voilà, on connaît maintenant toute l'histoire. Toute l'histoire qu'il y a sur, donc dans pour comment ça, pourquoi les, comment ça s'est passé et tout ça. Donc c'était tout un tout, comme vous le savez, comme vous l'avez deviné, un plan de César, un plan, je dirais pas machiavélique, mais presque, de César. César est juste un bip de MERDE, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, étape 1, alors, hop, donc voilà. Donc là, donc on a commencé la Normandie, et déjà, rien que la Normandie, moi, personnellement, elle me fait chier. Personnellement. Déjà, la Normandie fait chier, parce que... Non, c'est ce que je pense, voilà. Donc... Déjà, la Normandie fait vraiment chier. Donc, voilà. Je pense peut-être faire la suite tout de suite. Je sais que j'ai Luigi's Mansion en cours. Je vais le finir, vous inquiétez pas. Je n'ai juste plus trop l'envie d'y jouer. Pour le moment, j'ai plus envie de faire un autre let's play. C'est pour ça que je le fais maintenant. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais même peut-être faire Luigi's Mansion maintenant et je vous le posterai comme ça. Ou alors je ferai pendant que justement je ferai l'épisode pendant qu'il y a l'upload de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Marlini Blade. Ciao.